Le RND est un parti créé par des Harkis et la France. Le chef du groupe parlementaire du Front de Libération Nationale, Mouad Bouchareb, a été élu par les adversaires de Saïd Bouadjia au poste de président de l'Assemblée Populaire Nationale, APN, ce mercredi 24 octobre 2018. 320 députés ont voté oui à l'issue d'un vote à main levée tandis que le député indépendant Ben Belkacem Belkacem s'est abstenu. Avant ce vote, les députés de la majorité au pouvoir, Front de Libération Nationale, RND, et leurs alliés dont MPA et TAJ ont approuvé à la majorité le rapport de la commission juridique de l'APN relatif à la constatation de la vacance du poste de président de l'Assemblée Populaire Nationale, APN. Ils ont récolté 317 oui, un non et deux abstentions. Ben Belkacem Belkacem, député indépendant, qui était le seul à avoir voté non, s'est par la suite abstenu lors du vote à main levée pour l'élection de Mouad Bouchareb. Dans une déclaration à la presse, il a expliqué avoir voté non par principe, estimant que les députés sont partis loin en cadenassant les accès de l'APN. Mouad Bouchareb a tenu, dans son allocution, à exprimer ses remerciements au président Bouteflika pour sa confiance, promettant d'être à la hauteur de cette responsabilité et poursuivre la réforme et le développement sous l'égide du président. Déclaration de Abdeslam Bouchouareb, le fils du Harki Kaïd Khaled, Amadou Yaya et moi avons un point commun fort, nos pères ont fait tous les deux la guerre de 54 à 62 et nous les avions perdus durant cette guerre. Amadou Yaya et moi sommes complémentaires, lui un fils de Chaïd et moi un fils de Harki. Amadou Yaya et moi avons une seule différence, le père d'Amadou Yaya a choisi le mauvais camp, entre la prière du vendredi et le champagne du dimanche, il nie que le Shabbat qui les sépare. Dans un premier article, je faisais état des agissements et calculs machiavéliques d'Abdeslam Bouchouareb, chef du cabinet d'Amadou Yaya, pour un contrôle maléfique et absolu du RND, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du pays. À l'intérieur du pays, il a pu écarter malicieusement toute potentialité du RND, à l'extérieur du pays, il met en place une organisation singulière dans laquelle tous les éléments sont issus des familles de Harki. Étant lui-même un fils d'un Harki très connu par les Moudjahidines pour sa férocité, il a nommé à la tête du RND de Paris Mouloud Amari, fils d'un Harki, beau-fils du préfet de police de Paris et homme d'affaires français. Un monsieur ignoble haïssant l'Algérie comme son père l'a haïssé durant la guerre pour l'indépendance. Les membres de la Fédération du Front de Libération Nationale de la région parisienne connaissaient très bien son père à travers ses multiples dénonciations de Moudjahidine et sa collaboration active avec les services français de l'époque. Pères et fils sont adeptes de l'Algérie française. Abdeslam Bouchouareb, fervent défenseur pour la réhabilitation des Harkis dans l'État algérien, a encouragé une adhésion massive de ses semblables dans toutes les structures du RND à l'étranger, en écartant le mieux possible tous les fils des Chouada et tous les Moudjahidines et leurs enfants. À l'image d'Abdeslam Bouchouareb et de Mouloud Amari, tous les membres du RND de France sont des Harkis, fils de Harkis ou adeptes de l'Algérie française. Le bras droit de Mouloud Amari le crie fièrement. Ils ont bien réussi leur coup. La haine maladive d'Abdeslam Bouchouareb vis-à-vis du Front de Libération Nationale et de ses militants ne l'a pas découragé à faire partie de la direction de campagne présidentielle d'Abdelaziz Bouteflika, dans laquelle le Front de Libération Nationale est partie prenante. Au contraire, il parle de cela comme une réussite et un coup de maître. Cette participation est une reconnaissance au plus haut sommet de l'État et un message fort pour tous les Harkis. Abdelaziz Bouteflika fait appel à un fils de Harki pour organiser la journée du Chaïd du 18 février, alors que des milliers de Chouada sont lâchement assassinés par des Harkis. Abdeslam Bouchouareb avoue atteindre des objectifs inespérés, Mouloud Amari et son bras droit s'en réjouissent.